世界中に活躍してる先生の弟子たくさんいて、でもその人たちは多分おそらくそのプール先生からその受け取ったものを自分の個性と混ぜ合わせて発展させて、それぞれがそれぞれで活躍してると思うんですけど、やっぱり先生のが若い生徒を教える時、若い音楽家と関わる時にはやっぱりその先生の経験というのも反映されてるでしょうか？Bien sûr, je me suis servi de son enseignement, bien sûr. J'ai totalement abandonné l'idée de l'école franco-belge. Ça a disparu même de mon esprit. Ça a été aussi pour moi la clairvoyance. J'ai vu que cette école-là n'était pas bonne pour moi. Et je m'en suis aperçu quand j'étais déjà très jeune, malgré mon entourage qui me poussait vers cette école. Et je disais, non, moi, je ne veux pas. Je veux être, je ne sais pas quoi, mais je veux être dans le, j'ai dit, le sillage, dans la vue de Yasha Heifetz. Ce que je n'ai pas fait, mais j'ai suivi une autre voie qui était une bonne voie, celle de Schering. C'est vrai, je me sers de l'enseignement de Schering dans mon enseignement propre. Mais ma personnalité n'est pas du tout la même que celle de Schering. Voilà. Alors, mes explications sont, ah, je ne sais pas, différentes. Je ne vais pas dire plus humaines. Il était humain aussi, mais pas humain de la même manière. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu Heifetz dans le... Oui, j'ai vu Heifetz, bien sûr, lorsque je prenais des tickets de concert. J'avais 12 ans, 13 ans, et je voulais être au premier rang. Au premier rang pour le voir. Parce que Heifetz, c'était Dieu. Le Dieu du violon. Et je voulais être là. Et c'était très difficile d'obtenir ces billets-là. Et je faisais la queue à 6 heures le matin. À 6 heures le matin, j'attendais dans le froid pour avoir un ticket. Je voulais voir Dieu. The God, God of Violin. Et depuis que je suis tout petit, que j'aime le violon tout petit, et maintenant, je suis le même. J'adore Heifetz. Mais cependant, j'ai la sagesse de ne pas vouloir jouer comme lui. Car toutes les personnes qui ont essayé d'imiter Yahya Heifetz se sont cassées la figure. Il n'est jamais bon d'imiter un maître, mais imiter Heifetz, c'est la plus dangereuse manière de faire de jouer du violon. Moi aussi, quand j'étais petit, Ah, j'imitais de... voilà. Et voilà. Surtout Et le oui, et oui. staccato de Ah oui, Ravis, et oui, oui, et oui, et oui. ça ne marchait pas. Mais nous, pour nous, Heifetz, c'est un peu vous, dire poulet, dans une position comme Dieu de violon. Je ne veux pas savoir. Mais non, mais non, mais non, monsieur. Et Je on n'ai est... pas le culte de la per... Je n'aime pas le culte de la personnalité. Aïe, aïe. Voilà, culte de la personnalité, c'est Aïe. pas pour moi ça. Aïe. Voilà, parce que ça me met dans une position où je suis tout seul. Aïe. Je n'aime pas être en haut de la pyramide. Aïe, d'accord. Oui, pourquoi? Parce que j'aime le partage. Quand on est là-haut, on ne partage rien. Oui, ça c'est ma personne qui est comme ça. Oui, je sais. Mais ça, Voilà. c'est ce qu'on sent beaucoup dans l'orchestre. Mais Ah, vous sentez ça dans l'orchestre? oui. Eh ben voilà, quand je suis avec vous, je suis vrai. Ah oui. Voilà, je suis vrai.
Je ne joue pas la comédie. Je suis moi-même, avec mon violon. Voilà, c'est tout. Je sais pas, c'est quoi, je vais expliquer quoi. Il est très heureux que votre compliment est... C'est ce que c'est d'être votre même comme vous jouez. Qu'est-ce que c'est d'être moi-même? C'est pas jouer la comédie. Ah oui? Voilà, c'est d'être naturel. Naturel. Ce que Schering ne savait pas faire. Il était toujours en concert. Même quand il était avec des personnes comme vous, il était aussi en concert. Voilà. Je sais très bien que le respect, ça vient naturellement, le respect. Je sais très bien que l'orchestre me respecte. J'ai pas besoin de montrer comment je vais le mettre. J'ai pas besoin. Mon plaisir n'est pas là. Mon plaisir, c'est de partager. C'est ce que je disais, être vrai. Merci beaucoup pour cette longue interview et on voulait vous demander finalement de pouvoir avoir un message pour l'orchestre, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est drôle, je pense aussi à cet orchestre, et ça me fait penser un peu à l'histoire de Dudamel, avec le Venezuelan Orchestre. Voilà. Et je sais pas, j'ai dans l'idée de quelque chose comme ça, c'est pas la même chose, mais ça ressemble comme ça. Et bon, il y a quelque chose d'un succès futur, d'un développement, je ne sais pas lequel, mais il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose, je suis sûr. Ouais. J'encourage ça. Merci beaucoup. Voilà. J'encourage et je serai heureux, voilà, un développement de ce genre. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Arigato. じゃあ今日これで、はい、もう本当に。ありがとうございます。